Non. Merci à tous les lutins et lutines d'être présents pour ce brainstorming matinal. Je sais que c'était pas facile à caler avec nos EDT de ouf. Et merci aussi à vous d'être là, à quelques jours de votre événement de l'année, Père Noël. Oh, oh, oh. Mais ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire, hein. Alors, on a plusieurs teams qui ont bossé sur la campagne com de K24 et on voulait faire un petit BDMP, un bilan de mi-parcours pour écrémer tout ça. Team Lutin 22, ah, oui, c'est vous enfin, qui commencez. Alors, le problème actuel, Père Noël, c'est quand même votre nom. Mon nom. Ouais, votre name branding, si vous voulez. Bref, il est plus dans l'air du temps, hein. Donc, on propose de retirer Père, déjà. C'est trop patriarcal. Ah ouais, cash. Mais du coup, pas facile de faire la différence entre le personnage et le jour de l'événement lui-même, non? On y a pensé. Et c'est pour ça qu'on propose de l'écrire ainsi. Je vous arrête tout de suite. C'est illégal, l'écriture inclusive. Ben ouais, mais on savait pas que ça allait le devenir 2 semaines avant la faute à Macron. L'ordure. Bon, allez, on prend 1 seconde pour B Macron. Bouh. 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 Macron. Ah, ça fait du bien. Bon, team Lutin 16, c'est à vous. Alors, même étude que l'année dernière, hein, ce qui marche bien en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, catégorie 12-38, c'est les chats et les super-héros, hein. Bon, vu qu'apparemment vous avez refusé de porter le costume que j'ai proposé... C'est mort, je danserai pas déguisé en chat au nez rouge sur TikTok. Non, mais ça, on avait compris, hein. Donc, il nous reste le trend super-héros. Alors, par contre, il y a pas mal de noms qui sont déjà pris, donc... voilà, on a fait quelques dessins préparatoires avec ceux qui restent et qu'on a trouvé potables. Voici Arkiklos. Le premier Père Noël qui va te faire finir tes légumes. Moi, je déteste les légumes. Santa Cagoule. Parce qu'à Noël, tu veux pas sortir Santa Cagoule. Ouais. Je déteste les cagoules. En un clin d'œil, il passe du pôle Nord au pôle Sud. C'est bipolaire. Ouais, ok, bon, on va y réfléchir. Hein. Merci beaucoup, lutin numéro 16. Vous voulez même pas voir les autres? Team Lutin 3, allez-y, enchaînez. Alors, nous, on a pas mal bossé sur les couleurs cette année. Non, pas encore les couleurs. Donc, je rappelle, pour ceux et celles qui râlent, que le rouge, c'est quand même les mauvaises notes, le communisme et le Coca-Cola. Hein. Donc, moi, je veux bien faire des efforts, mais quand même. Oh. Non, mais c'est pas contre vous, Père Noël. Hein. Bon, au départ, on s'était dit qu'on reviendrait à vos origines, mais... Ah, le vert islamo-gauchiste, merci, non merci, hein. Le bleu, c'est mort, parce que... pourquoi déjà? Ah oui, c'est déjà pris par Aquaman. Donc, il en reste plus beaucoup, en fait. Hein. Vous êtes sûr? Parce qu'il y en a plein d'autres, quand même. Après quelques recherches, on s'est aperçu que la couleur Pantone 448C était toujours dispo. D'ailleurs, le vendeur nous a assuré que... 448C, mais c'est pas la couleur qui a été élue la plus moche du monde. Oh non! Oh, partout les rennes! Non, mais il faut le voir en action, hein! Regardez, avec les rennes, c'est dégueulasse! Bon, moi je vais y aller, hein! J'ai encore des cadeaux à emballer! Attendez! Vous avez peut-être encore le time pour une dernière team, non? Lutin 23? Alors, un peu comme pour les pompiers ou les dieux du stade, on avait pensé à un calendrier qui... Attends, j'ai pas vu ça. C'est son ding-ding-dong. Je veux nettoyer mes yeux. Non, mais là, c'est un montage. Hein, mais faut imaginer, avec des vraies photos, prises en studio, par un photographe professionnel. Et... Alors, qu'est-ce que vous en dites, Père Noël? Et passez où? Salut les kids! Vous avez été sages cette année? Miaou! Thierry, c'est quoi cette horreur à la télé? T'as pas entendu? C'est Rodolphe 2.0, le chat super-héros au nez rouge. C'est la nouvelle mascotte de Noël, quoi, en fait. Mais il est passé où, le Père Noël? Oh, ils savent plus quoi inventer de nos jours. Et c'est quoi la couleur immonde de son costume? Pantone 448C, c'est en traîne sur TikTok. Quoi? Miaou!